Pas locataire, c'est de la construction. C'est non, fini, tout fini la maison. C'est aussi de l'exploration. Oh, un lac. Et c'est surtout un max de fer. Et donc vous posez votre champignon et... Bon, bah, tant pis. Bonsoir tout le monde, c'est Palo14 et bienvenue dans l'épisode normalement, ouais c'est ça, 23 de Half-Life 2. On reprend au même endroit que d'habitude, hein, sur le chargement. Ah, ça va être chiant. Non, je rigole. Allez, donc si je me souviens bien, on était là où il y a des fourmilions. Voilà. Si je leur balance des munitions à la gueule, ça fait quoi? Ça, ouais, par contre ils sont bien gentils, mais je vais où moi? Peut-être qu'il faut que j'aille là-bas. Alors avec quoi on va se faire ces seuls bruits? Attends, j'ai une idée. Si je cours comme un... Allez, cours, 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 cours. Ah, ils sont sous mes trousses. Cours, cours. Allez, allez. Ya, c'est bon, je suis plus dans le sable. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Bah, ils sont où les autres? Ils sont au moins 5. Ah, il est là. Merde. Apparemment, il n'y a plus personne. Youf. Oh non, il y en a encore après. Mais qui c'est qui a foutu du sable partout ici aussi? Oh, il y a un mec qui s'est fait bouffer là par contre. J'en ai entendu un autre. S'il saute, il va se tomber. Il va se tomber. Oh putain, je parle pas français moi. Allez, viens à la caisse. Voilà. Non, mais c'est flippant cet endroit. J'entends des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Et filez-moi des balles d'un truc bien, je m'en fous du pistolet, la petite mitraillette de merde. Par contre, je saute où? Enfin là, j'y pense, y a aucune plateforme, quoi. Je peux pas sauter sur quelque chose. Donc on va se rééquiper notre arme favorite, hein, le fusil à pompe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attendez, c'est quoi cette chose? Il va lancer les boules de feu là à la gueule. Mais non, pas le bidon pour tâche, ça. Il a pas été pris. Vite, prends le fusil à pompe, prends le fusil à pompe. Toi, ta gueule, le nain là. Ah, il fonce dessus. Ah, mais il est incroyable. Oh non, il réinvoque ses petits cons. Oh, je l'ai eu. Oh yeah. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron maintenant? Hein? Tu t'agenouilles, hein? Petit con, va. Ah, le Freeman doit suivre. Putain, il m'a fait peur cet abruti. Le Freeman serait sage d'observer notre extraction de théropodes aromatiques du myrmidon. Ouais, je sais pas pourquoi ce que tu m'as dit, mais vas-y, extrait, extrait. Éloignez-vous. Te plains pas, c'est moi qui... Oh, il me reste plus que 5 balles. Ouais, c'est une extraction, ça, tu l'as complètement bousillé. Les ferropodes seront utiles au Freeman sur son chemin. Ouais. Ramassez-les. C'est quoi ce cousinet? Merde, je l'ai pas... Ah, c'est bon, ça va. C'est trop drôle. Oh, c'est trop. Et quand j'ai appuyé sur le clic droit, ça fait... quoi quoi? J'ai pas compris ce que c'était, mais c'est marrant. Donc il est où dans l'inventaire? Il est là. Faire au point. Petit freeze. Ah, des cartouches. Eh, c'est qui tire? Je rêve pas, on m'a tiré dessus. Ah, ok. Ça va, bien équipé, que t'as la grosse fusillette, là. Ta fusillette, voilà.
Par contre, votre camp est merdique. Hein. Ah, mes pauvres. Je pense qu'il parle dans leur langue. Freeman nous excuse. Il est impoli de converser par mouvement de flux devant ceux dont les entrées mortales sont cassées. C'est-à-dire ? Oui, c'est par politesse que nous nous exprimons par la voix. À moins que nos propos soient peu flatteurs. Non, ça me fait peur ce qu'ils disent. Bon, hein, on va pas chercher compliquer ce qu'ils disent. Oui, toi. Nova Prospect, je sais même plus ce que c'est ça. J'ai coupé de m'oublier, toi. Suivez Freeman. Ouais, bah je te suis, mon petit Vorti. Alors. T'es un peu mou du sgeg par contre là. Hein. Allez, t'as des grandes pattes, tu pourrais courir plus vite au moins. Plus vite. Plus vite. Le Freeman va maintenant apprendre l'usage des ferropodes. Cette chose. Apprenez à dresser les fourmilions avec cet appât à insectes. Les dresser. Oh, elles sont que j'ai aimé. Oh, la lumière. Le Freeman va maintenant sortir une ferropode et la lancer dans cette fosse. Voilà. Le Freeman a réussi. Oh bah, autant c'était pas dur. Génial, donc eux ils sont à moi maintenant. Tiens, prends ça. Ah, c'est pour leur dire. Pour qu'elles attaquent des cibles précises. Observez le mannequin et marquez-le d'une nouvelle ferropode. Ah ouais, génial. Oh. Ouf, le pauvre machin. Heureusement qu'il est déjà mort parce que putain. Ouais bon, c'est mort arrêté. Je suis là. Alors. Venez mes petits, venez. Non, je vous ai pas dit d'attaquer le Vortigante. Venez. Faites bien attention. Appuyez sur la ferropode pour signaler aux fourmilions de vous suivre. Ah oui, ça, ok. Et donc là, ils me suivent. Le Freeman prouve partout son excellence. Ouais, je sais, alors c'est... Maintenant, il doit dire adieu au Freeman. Nova Prospect se trouve juste après. Retenez bien cette leçon. Je sais plus ce que c'est, Nova Prospect. Tu peux pas me le dire, toi. Confiance en vous. Vous avez une sacrée gueule, par contre, vous, les fourmis. Tiens, ça mérite un screenshot. Alors, c'est quoi déjà la touche? Ah oui, F. Voilà, petit screenshot. Merci de m'avoir ouvrir, toi. M'avoir ouvrir. Donc vous me suivez, vous? Ouais, c'est bon. Allez, attaque. Alors, ça fait 8 minutes qu'on tourne, on a encore largement le temps. Eh ben c'est bien sympa, n'empêche, ce truc. Donc c'est pour ça qu'en fait, le... Un chargement. Le gros, il faisait apparaître de là où il voulait quand je l'ai attaqué. Parce qu'à mon avis, je sais pas, il devait appuyer sur... Je sais pas, il devait avoir un mécanisme interne avec cette boule. Ne pas prendre hors du contexte, s'il vous plaît, hein. C'est une seule boule. Même si elle est lumineuse, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc bah c'est bien sympa, n'empêche, j'espère que je vais pouvoir les garder un bon bout de temps, parce que si ça reste comme la bagnole et que je les garde pas indéfiniment, ça va être con ça. Mais je sais toujours pas ce que c'est Nova Prospect, moi, ils me l'ont dit, mais... Enfin, je regarde les épisodes précédents, peut-être qu'on va y arriver avant la fin des deux épisodes, là. Vu qu'à chaque fois je tourne deux épisodes de suite. Et avec 40 minutes de vidéo, hein, tous les... Ouais, à peu près 3-4 jours. Au fait, ouais, génial, j'en ai un troisième. Et quatrième. Ok, ça m'a fait la petite compagnie à tous alors, hein. Cool, ils sont quatre. Allez, venez un petit. J'ai un petit et petit. Sinon, je voulais vous remercier à tous de me suivre. Hein. Maintenant, nous avons dépassé les 500 vues. Je suis extrêmement content. Hein, Enfin, voilà quoi. Sinon, on est à 9 abonnés, bientôt un dixième. Hein. J'espère que vous en engendrez. Puis hein, bah... Ah, ils aiment pas ça, eux. Ouais, restez par ici, les mecs. Je vais essayer de désactiver cette merde. On a eu une échelle. C'est bon, les mecs, venez. Ah merde, je suis tombé, ça fait mal.
Avertissement prioritaire. Alors, j'espère que vous êtes puissant, que vous avez pas mal de vie en tout cas, parce qu'il est au quatrième. Allez, mets ton cul. J'espère qu'ils ont pas mal de vie, parce que... Oh, vous me direz au pire, on est sur du sable, hein. Ça se trouve, ils sont pleins de cette... Merde, casse-toi! Ils peuvent pas en mettre qu'un seul, là. Il y a des utilisés allers-retours, ça me fait faire. Et toute la vie que je perds à chaque fois que je tombe. Avertissement. Allez, venez les mecs. Restricteur de périmètre désactivé. Tout j'ai parti. Des bunkers. Moi, on serait dans la première ou deuxième guerre mondiale, je connais pas mon histoire. Oh la musique. Oh la musique de malade. Oh putain, ils sont foirés. Attaquez-moi, c'est merde. Peut-être que je vous aide, ça serait bien. Toi, silence. Toi, je t'ai pas demandé de vivre. Ah, ils m'ont déjà buté. Ah ok, ils sont déjà tous morts. Ok. Mes fourmillons sont déjà tous morts. Allez, là. Ouais, donc c'est bien ça, ils reviennent à l'infini. En fait. Voilà mes petites choses. Allez, venez les mecs. Vous me suivez là? Ouais, parce que je vais pas garder le ferropot toute ma vie. Allez, c'est parti. Alors, munitions, vie et truc qui ne sert jamais à rien. Dans la tâche nomade, réactiver restricteur de périmètre et rallier. Pas loin le mec qui cause. Bon, c'est peut-être un dans la tâche nomade, réactivez vos restricteurs de périmètre. Rallier. Désolé, mais j'adore ça. Ah Kevlar ligne, biotique active dans votre secteur. Poussez-vous les mecs, poussez-vous. Ok, on continue. Donc apparemment, vous avez l'air d'attaquer vous-même les ennemis. Là-haut, venez les mecs, venez, 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 on va pas se revoir. Bien les gars, bien. Allez. Balle et grenade. Enfin, vie et grenade. Ça j'ai déjà. Coucou, blam. Alors, encore des balles qui ne servent à rien, une voix qui parle toute seule. Point d'attache, 1.9 en sens unique, chasseur 6, détachement de reconnaissance, confirmation. Les mecs et les ennemis. Bah. 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 Ouh, je l'ai bien fait. Hé, mais arrêtez de tirer sur mes fourmilions, bande d'enculés. Pourquoi il est encore activé le truc? Ouais. Bon les gars, attendez ici. Désactivé. Je t'avais désactivé toi. C'est bon les gars, c'est bon. Vous êtes tous les 4? C'est bon, on peut avoir que 4 maximum, c'est dommage. Oh merde. Oh putain. Ah il y a un canard, dis-nous un canard. Bougez-vous le cul, bougez-vous, enfin le... De ce que vous avez quoi. Allez. Un chargeur dessus, il est pas mort, l'enfoiré. Ah mais... Ah mais tu m'as énervé, je te one shot moi. Les gars, vous êtes encore vivants? Ouais. Crevable ces machins. Ah ok, on peut pas les avoir, il faut courir comme des dératés quoi. Le problème c'est que mon mec, il court tellement vite. Vaut mieux que je saute en fait, je vais limite plus vite comme ça. Ah tais-toi, casse-toi petit con. Si c'est bon, on peut les avoir par là-haut. Oh mais ils sont trop bien. Oh merde, j'ai plus de balles. Oh, un magnum dans sa touche, il a pollué, mais... Peut-être une SPS. C'est bon. Alors, toi t'avais truc de merde, toi t'avais fusil à pompe, ça c'est bon. J'ai gardé le magnum, j'utilise pas souvent. Ça devrait... pas trop me gâcher des balles, quoi. Alors, toi, tu vas t'en prendre un poids. Ok, c'est... Le mec, il regarde des deux côtés pour voir s'il y a un ennemi. Il y a un côté, il y a un mur, et l'autre côté, il y a moi. Allez. Oh. Bien, bien. Gentil. Voilà, on va éviter de les taper, pas qu'on y est. C'est bon. Eh ben, on a récupéré pas mal de vie, trucs du genre. Tiens, il y a une petite mini-grotte, là. C'est que cet endroit.
Oh les enfoirés, cassez-vous! Ah ces saloperies de mini-machines à la con là! Mais moi je fais de la maltraitance de machine! Putain, heureusement que j'ai ma lampe de... Voilà, je me l'ai fait à la gauche, je me suis remis. Allez, McDo. Oh, il a pas aimé ça. Oh, tu vas pas aimer ça, toi non plus. Patouche. Patouche. Mais ils sont encore combien? C'est pareil, les soldats du cartel, ils sortent de la terre. Attends, je me charge, je vais te... Attendez mec, vous m'attendez ici hein. Papa revient, il prend des balles. Voilà. Et papa se balade avec plein d'ennemis. Enfin se balade avec un pied de biche alors qu'il y a plein d'ennemis autour de lui. Hein. Alerte. Contact, statut. Oh c'est bon, on va se faire par derrière. Ouais, tirer qu'un fusil à Oh, il y en a qui arrive sur la gauche. Coucou. Coucou. Coucou, j'ai dit. Putain, il y en a qui sont là-bas. Oh, j'ai fait tomber la pente. Toi tu lâches mes bêtes. Directive 2. Engager réserve. Cerner incursion exogène. Alors on passe par ici. Eh ben je suis quand même content de les avoir. Enfin de la voix. Non, c'est bon l'herbe là. Putain. Bon hein, c'est là qu'on va utiliser l'arbalète. Un de moins. Par où tu veux passer toi? Oh, putain, mon enfoiré. Ouais bon, ils ont mal l'air bien trop loin. En voilà un autre. Ouais, je sais, munitions épuisées, et alors? Ouais, ça tire de loin cette chose. Bon, par contre, j'ai plus grand balle dans grand chose. Alors, hein. On va prendre vos armes et vous shooter avec. Si ça vaut pas ce problème, bien sûr. Ah! On prend coulèche. Ah! C'est toi qui les as envoyés, hein? Bon, je vais pas le toucher avec ça. Préparez poursuite finale. Non, enfin, je vous ai tous niqué là. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez me faire? Bon. Oui non, ça c'est pour dire 5 de sac hein. Oui, je vais où maintenant? Mm-hmm. Ah vous êtes sympa vous hein. Où que je vais? Ça se trouve c'est à côté de moi, vous êtes tous en train de me crier, c'est ouh. Est-ce que j'ai pas fouillé ça moi? Y'a que là. Bon. Ah, ok. Bon, ça m'a l'air d'être par là, alors on va aller par ici. Ah, il y a une échelle là. Qu'il faut que j'essaye de grimper. Ici. Mais par où je passe? Ah bah ici, hop. On y va.
Faites gaffe mes petits, il y a un lac. Faites gaffe ici. Ouais, de toute façon vous pouvez sauter comme il faut. Hein. Voilà. Même si on a qui sont complètement débiles. De la vie. Ah. Allez petit attaque. Ça, ça fait mal. Ouais, c'est bon. Non, je crois qu'il était vivant. Bon, question balle, par contre, c'est pas la joie. Eh ben, merde. Attendez, il y a juste un petit bug là. Normalement c'est resté sur l'endroit où vous êtes. Non c'est juste sur Skype, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous dire de toute façon salut à tous, merci d'avoir regardé, aimez, abonnez-vous et au prochain épisode. Je vais juste attendre que ça se revienne. Oui ou oui 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 ou. Bon, au pire je vais couper là, si ça continue de filmer je verrai. Allez, salut à tous.